suis arrivé après 13 heures de bus hier ici à Huaquillas, qui est la ville frontière avec le Pérou sur le littoral pacifique. Je suis arrivé de nuit, l'objectif étant d'arriver avant la fermeture des frontières terrestres. Et je suis arrivé trop tard, à quelques heures près. Du coup, quand je suis arrivé, la frontière était déjà fermée et jusqu'à nouvel ordre. Donc pas possible pour moi d'accéder au Pérou, sauf à négocier avec les militaires de la frontière. Dans cette situation-là, au vu des mesures qui sont en train d'être prises un peu partout en Amérique du Sud et ici en particulier en Équateur, j'essaie de prendre la décision la plus sage, qui est de rentrer en Europe. Décision qui est extrêmement difficile à prendre après plus d'un an de préparation du voyage, et puis j'en ai fait que la moitié. Il me restait les pays les plus beaux à voir. Mais voilà, je tente ma chance et je tente de rentrer en Europe avant que la situation dégénère ici. J'expliquerai plus tard pourquoi je prends cette décision, mais c'est avant tout pour ma sécurité. Si le système ici s'écroule à cause du coronavirus, c'est toute l'économie qui tombe, parce que ce sont des pays qui sont très dépendants du pétrole, et le cours du pétrole est en train de chuter énormément. Et c'est des pays qui ont un système de santé très fragile. Donc si la situation atteint des quantités comme celles qu'on peut voir en ce moment en Europe, les systèmes de santé ici en Amérique du Sud, et en particulier en Équateur, ils tiendront pas. Et j'ai pas envie d'être là au moment où ça arrive, même si potentiellement ça n'arrivera jamais. Pour ces raisons-là, je décide de rentrer, en tout cas d'essayer, sachant que les vols en provenance d'Europe sont déjà interdits depuis 2 jours. Il reste encore quelques billets qui peuvent être achetés pour aller en direction de l'Europe, mais rien ne dit que ces vols ne vont pas être annulés, dans la mesure où s'il n'y a aucun vol qui vient d'Europe, j'ai du mal à voir comment il y a des vols qui puissent y aller. Toujours est-il que j'ai quand même trouvé un billet pour mercredi, c'est-à-dire dans 2 jours maintenant, au départ de Guayaquil, qui est une ville qui a 5 heures de bus d'ici. Donc là, l'objectif pour moi, c'est de rejoindre le plus vite possible l'aéroport de Guayaquil, de me poser là-bas en attendant mon vol, en espérant qu'il ne soit pas annulé. Et j'ai déjà un peu anticipé, j'ai acheté de quoi essayer de paquer toutes mes affaires et le vélo, c'est-à-dire du film plastique, des sacs pour mettre toutes les sacoches, etc. Pour faire en sorte que je puisse rentrer dans l'avion avec tout mon bordel. Bon, c'est un peu particulier comme situation, hein. C'est compliqué, je suis un peu paumé, enfin je suis même carrément paumé. J'ai rencontré 4 cyclistes ce matin qui ont essayé de passer la frontière cette nuit, qui n'ont pas réussi non plus. Eux, ils repartent vers Quito, ils essaient de trouver une situation à peu près comparable à la mienne. On va voir, je vous tiens au courant. Salut! Bon, on est mardi 17 mars, ça fait donc le 3e jour depuis que les choses se sont vraiment accélérées ici en Équateur et que les décisions se sont enchaînées. J'ai pris mon bus comme prévu hier depuis Huaquillas jusqu'à Guayaquil, et puis j'ai trouvé un petit hôtel juste à côté de l'aéroport. L'aéroport, il est au fond là-bas, et je vois quelques avions décoller encore, moins qu'hier, mais toujours quelques-uns. Moi, mon vol que j'ai réservé, il est demain. Je suis en attente. J'ai pas de nouvelles ni de la compagnie aérienne ni de l'ambassade de France en Équateur, malgré le discours de Monsieur Macron hier soir, qui annonçait l'organisation du rapatriement des Français à l'étranger. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles sur comment ça allait se passer. Donc je prie encore pour que mon vol soit maintenu demain. Et puis en attendant, je m'isole ici. Je fais comme tout le monde, comme vous chez vous aussi. Je reste confiné dans cette chambre d'hôtel qui est pas la mieux, mais qui coûte pas trop cher. Et là, c'est l'heure de la cuisine. Donc ça, c'est ma cuisine, et ça, c'est mon grenier. Ce midi, au menu, comme pour ce soir et demain midi, ce sera baguette. J'ai quand même trouvé de la baguette, et ça, c'est cool. Avec un peu de fromage à tartiner, du guacamole, tomates, poivrons, et puis une boîte de thon. Voilà, bon appétit. Mardi, fin de journée. Le soleil se couche ici à Guayaquil, et moi je suis ressorti un peu en ville tout à l'heure pour aller chercher des cartons pour essayer de préparer la protection du vélo pour le vol de demain. Du côté de l'ambassade, les choses se mettent en place apparemment. Il y a une adresse email d'urgence qui a été ouverte à laquelle on peut s'annoncer. Donc ça, c'est fait, je me suis annoncé.
Les nouvelles ici, elles commencent à être compliquées. Mes deux amis canadiens avec qui j'ai roulé dans mes premiers jours en Équateur, eux, ils sont dans un petit village perdu en Équateur. Ils ont commencé à prendre les mesures aussi pour bouger. Ils ont malheureusement pas de vol direct vers le Canada, donc ils vont faire une escale aux États-Unis si tout se passe bien. Ils ont trouvé un vol d'ici dimanche. Mais les choses, oui, s'aggravent un peu ici puisqu'ils avaient trouvé un hôtel pour rester le temps que ça se passe, mais le directeur leur a demandé de partir parce que les autres clients étaient inquiets du fait d'avoir des touristes dans l'hôtel qui pourraient être porteurs du virus. Donc ils ont dû sortir de l'hôtel, partir en urgence. Coup de chance, ils en ont trouvé un autre qui était vide. Donc pour l'instant, ça se présente encore assez bien pour eux. Ça me confirme le fait qu'il est temps de partir d'ici. J'espère que le vol que j'aurai demain est maintenu. Mercredi 18 mars, jour J. Normalement, j'ai mon vol aujourd'hui. A priori, il est toujours maintenu. Je me suis fait virer de ma chambre d'hôtel ce matin puisqu'elle devait être désinfectée. Donc, j'en ai profité pour partir définitivement de l'hôtel et de me rendre à l'aéroport. Et j'y suis. Voilà. Là, on est à l'aéroport de Guayaquil. Et Egan est là, plus que chargé. Puisque en plus de mes bagages habituels, j'ai de quoi boire et manger pour aujourd'hui, mais en plus de ça, j'ai tout ce qu'il faut pour packager le vélo. Le truc, c'est que je peux pas rentrer dans l'aéroport. Il y a des gardes partout et ils ouvriront l'aéroport seulement à 17h, c'est-à-dire 3 heures avant le décollage de l'avion. Bon, la bonne chose, c'est qu'a priori, le vol est bien maintenu. Après plus de 2h30 de travail sur le rangement du vélo et de tout le bordel, le résultat est là. C'est quand même pas mal, hein, avec 3 bouts de carton et un peu de film plastique. Là-dedans, j'ai les deux autres sacoches et puis les deux petites, je les prends avec moi en cabine. Donc maintenant, je suis prêt à prendre mon avion. Il reste encore une demi-heure avant qu'ils ouvrent les portes de l'aéroport. Et puis bon, on va espérer que tout aille bien. Hein. La situation est malade ici. On a été informé il y a une demi-heure, une heure à peu près, que le maire de Guayaquil avait bloqué toute la ville et la province entièrement et donc refusé d'ouvrir l'aéroport pour notre vol de ce soir. Et ici, on est tous les gens qui sont ici attendent pour le vol. Il y a 20 minutes, une dame est venue nous dire que la mairie nous mettait à disposition des bus pour rejoindre des hôtels. On a tous refusé puisqu'on a bien compris que leur plan c'était de nous diffuser un peu partout pour qu'on quitte l'aéroport. Et on sait de la part des ambassades d'Allemagne et des Pays-Bas qu'il y a des négociations en cours entre l'Union européenne et l'Équateur pour ouvrir justement la frontière pour notre vol. Jusqu'à il y a encore 2 minutes, ils essayaient absolument de nous faire dégager d'ici, on est tous restés en bloc. Et là, la même dame est revenue nous voir pour nous dire, bon, tout le monde essaie de vous faire sortir d'ici, donc on vous demande de rester en stand-by et d'attendre les prochaines nouvelles. C'est la première fois qu'on a une information positive depuis le début de la soirée. Les gens sont en train de devenir fous, mais ultra solidaires, c'est très très beau. Tous les Européens, peu importe les nationalités, traduisent dans tous les sens pour que tout le monde soit au courant et qu'on fasse bloc pour qu'ils ouvrent ce putain d'aéroport et qu'ils nous laissent prendre le vol. Le vol pour l'instant, il est à Quito, il est censé passer par Guayaquil avant d'aller à Amsterdam. Tant qu'il décolle pas de Quito, on a encore une chance. Bon, et bah finalement non, ça s'est pas fait.
le vol de Quito jusqu'à Amsterdam n'est pas passé par Guayaquil, par décision de la municipalité. Et apparemment, les ambassades n'ont pas réussi à les faire changer d'avis. Du coup, on s'est retrouvés, on a essayé de faire pression encore tous ensemble. Et puis, petit à petit, quand on a appris que l'avion était parti de Quito, c'était plus la peine de faire pression. On a cherché un hôtel. Le problème, c'est que tous les hôtels étaient déjà fermés. Le seul qu'on a trouvé, c'est l'Holiday Inn, qui était un hôtel juste à côté de l'auberge, de l'aéroport, pardon, qui est un énorme truc de luxe qui me coûte un bras. Je paye quasiment 100$ la nuit. Moi, je me suis mis avec un groupe de Français qui était en CE, en comité d'entreprise, en voyage en Équateur, une trentaine de Français. Je me suis joint à eux. Et on a commencé à essayer de prendre en contact un peu partout. J'ai réussi à avoir le contact d'un représentant de l'ambassade très tard dans la nuit, vers 20h30, donc bien après que tous ces éléments se soient déroulés. Et donc là, la situation, c'est que tout de suite, la municipalité a mis en quarantaine l'ensemble de la ville. Donc il n'y a aucun moyen de sortir ou d'entrer dans la ville depuis que ça a été mis en place. Et il n'y a plus de vol. Donc en clair, les seuls vols qui partent vers l'Europe, ils partent de Quito, mais sauf que d'ici, on ne peut pas atteindre Quito. Donc c'est, il n'y a juste aucune solution pour nous individuellement. Heureusement, les ambassades sont sur le coup. C'est l'ambassade des Pays-Bas qui a pris le leadership des négociations avec l'Équateur. La situation, c'est qu'en fait, la décision de la municipalité de bloquer l'aéroport par les forces policières, elle a été prise unilatéralement, sans l'accord du gouvernement équatorien national. Donc les deux sont en grand conflit et apparemment, des nouvelles données par l'ambassade, ce soir, l'État équatorien a militarisé l'aéroport de Guayaquil et donc a pris le pouvoir sur l'aéroport face à la municipalité. Donc à partir de ce soir, c'est plus la municipalité qui fait la loi à l'aéroport, c'est l'armée. Et les ambassades de France, des Pays-Bas, les autres ambassades sont en négociation avec le ministère des Transports ici en Équateur et en coopération avec KLM pour essayer d'organiser un rapatriement dans les prochains jours, peut-être demain, vers l'Europe pour nous. Donc énormément de stress, c'est extrêmement dur là ces derniers jours et puis ces dernières heures encore pire. Il semblerait que ça s'arrange, enfin après 3 jours, j'ai des nouvelles de l'ambassade qui ont l'air de se bouger. L'avantage, c'est qu'ici, les passagers sont assez solidaires, finalement, en tout cas les Européens. Je me suis retrouvé d'un côté avec le groupe de Français qui m'a pris sous son aile, et ça, c'est extrêmement aimable de leur part. Et de l'autre côté, on s'est fait un groupe avec des Néerlandais aussi qui sont extrêmement sympas, et on s'entraide beaucoup. C'est moi qui ai le contact avec l'ambassade tout de suite, donc c'est moi qui partage l'information avec les autres, avec l'ambassade française, je veux dire. Les Néerlandais ont aussi un contact de leur côté avec l'ambassade néerlandaise. C'est fou ce qui arrive là en ce moment. Je pense que personne ne réalise vraiment ce qui se passe. Bon voilà. Moi je suis cuit, bon je dors dans une chambre de luxe ce soir, c'est cool, je vais essayer d'en profiter un peu. Le truc c'est que j'ai pas d'affaires parce que j'ai packé toutes mes affaires, mon vélo, dans du film plastique parce que c'est le seul truc que j'ai trouvé et je peux pas réouvrir le film plastique. Donc le vélo, les bagages, je peux plus y accéder. J'ai juste 2 petits sacs mais j'ai pas de vêtements, j'ai juste ma brosse à dents et du dentifrice, c'est déjà bien. Je vais partir avec ça. Et là c'est l'heure de dormir et on verra comment ça se passe demain. Allez, bonne nuit les copains. Jeudi 19 mars, J+1 après le vol annulé d'hier. On n'a pas eu d'autres nouvelles des ambassades depuis hier. A priori, on imagine que les ambassades sont encore en train de travailler avec le gouvernement équatorien pour organiser une solution de rapatriement. On a le consul de France, de Guayaquil, qui est venu nous rendre visite ce matin pour nous dire qu'en tout cas, on pourrait rester dans cet hôtel tant que la solution n'est pas résolue. C'est un point positif, c'est un peu le seul point positif qu'on a depuis ce matin. Là tout de suite il est 13h30, la seule nouvelle qu'on a eue de l'ambassade de France, ça a été de nous dire que l'ambassade nous rappelait qu'il y avait 2 vols KLM qui partiraient de vendredi et dimanche, sauf qu'on sait tous et ça a été confirmé que ces vols sont complets depuis longtemps, donc il n'y a aucun moyen de toute façon qu'on puisse monter dans ces avions et rentrer en Europe grâce à ces vols. Bon, nous on essaie de rester à peu près calme. La panique commence à s'installer chez certains, c'est contrôlé encore. L'exaspération monte chez beaucoup.
c'est plus difficile à contrôler. Heureusement, on essaye tous de garder un bon état d'esprit, mais c'est un peu compliqué. Moi sinon j'ai été interviewé, je suis le seul français ici qui parle espagnol. J'ai été interviewé pendant 10 minutes par la télé nationale. Je pense que je verrai pas les images, mais je suis déjà passé à la télé hier et je vais repasser à la télé aujourd'hui, c'est assez fou. Et autre nouvelle assez drôle, la maire de Guayaquil, celle qui est responsable de toute cette situation ici depuis hier, puisque c'est elle qui a bloqué par les forces de l'ordre l'aéroport hier. La mairesse de Guayaquil a été testée positive au coronavirus ce matin et l'a annoncé publiquement. Est-ce que c'est le karma? Je sais pas. Notre situation ici, elle commence à être une affaire nationale, puisque le gouvernement équatorien est en conflit direct avec la mairie d'ici. C'est pas seulement national, mais c'est même international, puisqu'on commence à en parler un peu partout en Amérique du Sud. Et même l'Espagne, à travers la voix d'un député, vient de dire que c'était scandaleux, que c'était une mesure xénophobe et qu'il allait falloir mettre en place des sanctions vis-à-vis de l'Équateur pour cette affaire. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Nous, ce qu'on veut, on s'en fout des sanctions, c'est pas la question. Là, tout de suite, nous, ce qu'on veut, c'est trouver un moyen de rentrer. On attend sagement ici et puis on espère que la situation va se débloquer un moment. Mais pour l'instant, il n'y a aucun signe avant-coureur d'une quelconque solution. On est toujours le jeudi 19 mars, sauf que maintenant il est 22h. Dans l'après-midi, il semblerait que les diplomaties européennes aient trouvé un accord avec la compagnie Air France KLM, qui a rouvert des vols. Comme prévu depuis longtemps, il y en a un vendredi et un dimanche. Aujourd'hui, on est jeudi. Il y en a aussi la semaine prochaine, lundi, mercredi, dimanche suivant encore. Le truc, c'est qu'ils apparaissent tous complètement pleins, sauf à certains moments, on ne sait pas pourquoi, durant la journée, où certains s'ouvrent. La stratégie de certains passagers, ça a été d'appeler KLM, d'attendre une heure jusqu'à ce qu'un standardiste réponde. Et à partir de là, une procédure se met en place pour échanger le billet qu'on a eu hier sur le vol qui a été annulé et le remplacer par un billet des prochains vols en fonction des disponibilités au moment de l'appel. Ça n'a pas marché pour moi. J'ai eu beau essayer les numéros de standardistes de KLM en France, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, il n'y en a aucun qui a fonctionné. Et vu qu'on n'avait aucune réponse de l'ambassade de France quant à notre situation à nous, moi j'ai réservé un second billet pour mercredi prochain, donc dans plus ou moins une semaine. La situation évolue de jour en jour ici et une semaine ça paraît une éternité, mais entre ça et n'avoir aucune option, j'ai préféré faire ça. Et en fait, je pense que ça a été le bon choix parce que du fait qu'il y a des places qui se libèrent, on ne sait pas pourquoi, mais il y a toujours des places qui se libèrent sur les vols d'avant, puis qui sont repleins et qui se relibèrent, etc. J'ai réussi à me débrouiller pour décaler le vol de mercredi à dimanche, donc c'est-à-dire dans 3 jours. Donc pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que j'ai un vol dans 3 jours. D'ici vers Amsterdam. En parallèle, on a été contacté par l'ambassade et après quelques échanges avec eux, on a réussi à se coordonner ici les Français, les 33 Français qu'on est ici, 34, pour donner toutes nos informations personnelles, nom, prénom, numéro de passeport et numéro de réservation du vol d'hier. On a envoyé tout ça à l'ambassade en France, qui sont en ce moment en train d'essayer de nous replacer sur les prochains vols KLM. Donc ça, c'est ma deuxième solution, qui est moins sûr. Potentiellement dans les prochaines heures, je vais avoir un appel de l'ambassade pour me dire que potentiellement je suis placé sur le vol de demain. La troisième option, c'est d'aller demain directement physiquement à l'aéroport et essayer de trouver une place sur le vol qui arrivera de Quito demain. Apparemment, il y a des places qui sont encore disponibles et qui ne sont pas allouées à personne. Donc il y a aussi cette option-là de venir le plus tôt possible à l'aéroport et d'essayer d'avoir une place dans un vol. La situation a l'air de se débloquer petit à petit. On ne sait pas quand est-ce qu'elle sera complètement débloquée, mais elle se débloque. Y a un autre élément qui est important pour moi. J'ai pu discuter avec Charles Vix, qui est le directeur culturel de l'Alliance française à Quito, qui n'est pas directement l'ambassade, mais qui est une institution française publique. J'ai pu échanger un peu plus en privé avec lui et il m'expliquait qu'en fait, ils sont que 5. Ils sont 5 pauvres bonhommes à travailler ici en Équateur pour des centaines de cas, dont certains qui sont très compliqués, certains qui sont typiquement perdus en Amazonie, avec aucun moyen de sortir de cette zone et d'aller à un quelconque aéroport. Donc la situation ici pour les gens des ambassades et des institutions
française et étrangère de manière générale est extrêmement compliquée. Eux sont invités de toute façon à rester dans le pays durant la crise, donc ils sont même pas en train de travailler pour leur propre situation. Ils sont juste en train de travailler 24 heures sur 24 pour nous foutre dehors. Et ça, on a beau cracher énormément, et j'ai moi-même craché sur le manque de visibilité qu'on avait vis-à-vis des ambassades. Et sur les réseaux sociaux, on lit beaucoup ça, qu'on n'a aucun moyen de contacter les ambassades, etc. Et je tiens à remercier énormément le travail qu'ils font. Ils sont si peu nombreux, ils sont autant que nous dans une situation de crise, pour leur propre famille, pour leurs propres proches. Et pourtant, ils se donnent corps et âme pour nous trouver des solutions à nous. Et je suis persuadé qu'ils font vraiment de leur mieux. Et donc, ben voilà, je tiens énormément à remercier tous les gens derrière les ambassades qui sont en train de travailler pour tous les touristes comme nous. Et essayer de nous mettre, de nous envoyer en Europe. Vendredi 20 mars, toujours à Guayaquil, à l'hôtel Holiday Inn ici. Dans la nuit, on n'a pas eu de réponse. Ce matin, j'ai l'ambassade à Quito qui m'a directement contacté par WhatsApp pour me demander, en fait, pour m'informer qu'ils essayaient de replacer les gens du groupe Transdev, donc pas moi, sur les prochains vols. Il y a une liste qui circule de 18 personnes sur 30 qui pourraient essayer de partir, sauf qu'on n'a pas eu de confirmation depuis. Et de toute façon, ça ne me concerne pas directement. Moi, normalement, j'ai toujours mon billet pour dimanche. Mais bon, pareil, on n'a pas d'informations. Ça a l'air d'être compliqué pour tout le monde. Samedi 21 mars. C'est le matin, là, il est 8h30 du mat. Je viens de donner quelques nouvelles depuis hier. Le vol qui était prévu à destination d'Amsterdam d'hier est bien parti. L'ambassade a réussi à replacer les 18 personnes prévues du groupe de Français d'ici. Donc sur les 34 Français de l'hôtel, 18 avaient réussi à avoir un ticket. Sachant que moi, entre-temps, j'avais acheté un billet le jour d'avant pour mercredi, que j'avais réussi à décaler pour dimanche, c'est-à-dire demain. Donc moi, je suis resté tranquillement à l'hôtel pendant que eux sont partis. Tous ceux qui n'avaient aucune solution encore établie à ce moment-là, sont partis à l'aéroport sans billet, mais pour tenter le coup. On a appris plus tard que tous ceux qui avaient agi de la sorte avaient réussi à monter dans l'avion, ce qui est super positif pour eux, ce qui est un peu ennuyeux pour nous, dans la mesure où ça veut dire que vraiment l'ambassade et les compagnies aériennes sont complètement sous l'eau pour réussir à laisser passer 40 personnes sans billet dans un avion. Ça veut dire que le travail de planification avant, aussi bon qu'il ait été fait, aurait pu être fait mieux, disons. Samedi 21 mars, toujours. Bon, ça devient un peu n'importe quoi ici. On a une Française qui est ici aussi à Guayaquil, qui a été sur le vol annulé de mercredi dernier. Elle a aucune nouvelle de l'ambassade, sauf qu'elle vient de recevoir un email de KLM qui lui dit qu'ils ont réussi à la rebooker sur un vol Bogota en Colombie jusqu'à Amsterdam, ce qui n'a aucun sens puisque de toute façon les frontières sont fermées, il n'y a aucun vol qui va entre l'Équateur et la Colombie, donc elle peut évidemment pas prendre ce vol-là. On ne sait pas ce qui déconne chez KLM, mais clairement il y a des gros gros problèmes. J'ai prévenu l'ambassade, moi, de la situation de cette pauvre passagère, sachant que moi j'ai deux billets toujours disponibles. J'ai un billet a priori pour dimanche que j'ai payé, et un autre billet que j'ai payé aussi pour mercredi prochain. Donc j'ai dit à l'ambassade, écoutez, c'est sûr qu'il y a une place de disponible supplémentaire sur l'un des deux vols, donc s'il vous plaît, faites en sorte de le refiler, ce siège-là, à cette passagère-là. Ce à quoi l'ambassade m'a répondu, écoutez, on a pris contact avec KLM, et non, c'est pas vrai, vous n'avez pas deux tickets, vous n'en avez qu'un seul pour mercredi. Donc non seulement KLM déconne, mais a priori, l'ambassade déconne aussi. On n'a aucune idée de ce qui se passe nulle part, mais c'est un peu inquiétant parce que ça veut dire que si les gens se basent sur des systèmes d'information et que ces systèmes d'information sont en train de raconter n'importe quoi, on a du mal à voir comment tout ça pourrait se régler. Donc moi j'ai arrêté de contacter l'ambassade parce qu'a priori ils sont plus fiables sur les informations qu'ils me donnent. Mon vol il est dans 31 heures, mon vol de demain, et normalement je peux faire le check-in 30 heures avant. Donc il me reste une heure à attendre pour voir si le système informatique de KLM accepte de me donner ma carte d'embarquement. Donc on va voir comment ça se passe, mais ça sent pas très très bon toute cette affaire quand même, hein. Samedi 21 mars toujours, il est 20h.
Bon, bah moi j'ai réussi à m'enregistrer sur le vol de demain. J'ai un numéro de place, j'ai une carte d'enregistrement, d'embarquement. Donc je sais vraiment pas ce que l'ambassade allait me raconter, à me dire que j'avais rien. Bon, ça me rassure un peu. Ce que je vois, c'est qu'il y a quand même beaucoup de galères sur le vol de demain. Il y a beaucoup de gens de Quito qui n'arrivent pas à s'enregistrer dessus. Donc j'imagine qu'il y a quand même 2-3 bugs un peu partout dans les processus. Sinon, les nouvelles ici, elles sont un peu anxiogènes. Les flics sont venus à l'hôtel pour nous imposer l'interdiction de sortir de l'hôtel, l'interdiction de nous réunir en dehors des heures des repas et de rester confinés dans nos chambres. Ce qui n'a pas beaucoup de sens parce que de toute façon, on est isolés ici depuis 4 jours tous ensemble. Si le virus a dû se partager entre les gens, il s'est déjà partagé, il n'y a pas de question là-dessus. Mais bon, c'est comme ça, ça sent un peu la merde. Toute la question maintenant, c'est espérer que le vol de demain parte. Le truc, c'est que si le vol de demain ne part pas, on aura quitté l'hôtel à ce moment-là. Et on n'est pas sûr qu'on y soit accepté de nouveau. Et si on n'y est pas accepté, tous les hôtels ferment de toute façon, donc on ne sait pas si on se retrouve à la rue ou pas. Et à l'heure actuelle, moi personnellement, je compte plus sur les services de l'État et sur les ambassades. Ils sont complètement sous l'eau. Et s'il s'avère qu'il y a effectivement 12 personnes qui sont à la rue à Guayaquil, je pense qu'ils n'auront même pas les moyens de trouver une solution. On va voir. Espérons que demain, je monte dans cet avion KLM. Et puis, bah, Inch'Allah. Hein. Dimanche 22 mars, midi et demi. Mon vol, il est censé être dans plus de 7 heures. Mais je vais quitter l'hôtel maintenant, direction l'aéroport. Tout est là. Le vélo, les bagages, les autres qui vont me servir en cabine. Et puis bah, j'espère que tout ça va bien monter dans l'avion dès ce soir. Ok, donc là apparemment, ça fait une demi-heure que je suis ici. Le gars de la sécurité vient de dire qu'il ferait passer 15 personnes d'abord sur le vol de KLM pour les faire rentrer dans l'aéroport. Seulement les gens qui ont des tickets, normalement je suis dans ce cas-là. Et il les ferait passer 15 par 15. Gracias. Bon, je suis allé plus loin que mercredi dernier déjà, c'est pas mal. J'ai réussi à rentrer dans l'aéroport. Buenos días. Bon ben voilà. Il me dit d'attendre, il a vérifié mon truc, a priori ça marche. Il m'a filé un masque, vous avez vu ça? Et il m'a filé du gel pour me désinfecter au max. Bon, c'est pas mal, il y a quelques mesures de précaution qui sont prises quand même. Et ben voilà, j'ai ma carte d'embarquement et les bagages sont enregistrés. Le seul souci c'est que bah voilà, là. J'ai le vélo et j'ai les sacoches. Le truc, c'est que il y a un risque que les douanes décident de les ouvrir. S'ils ouvrent le vélo, c'est la merde parce que il va s'abîmer complètement parce que c'est impossible de refermer le plastique. Et pour les deux sacoches qui sont empaquetées ensemble, c'est encore pire parce que s'ils l'ouvrent, ils accepteront d'envoyer qu'un seul des deux paquets qu'il y a dedans. Et dans ce cas-là, bah, je perds une sacoche, je perds tout ce qu'il y a dedans et je perds aussi toutes les petites pièces qu'il y a à côté. C'est des conneries, hein, mais c'est quand même c'est ma pompe, c'est mon casque, c'est des petits détails comme ça. Donc là, bah, j'espère que tout ça va pouvoir partir et que ce ne sera pas ouvert par les douanes. Parce que si c'est ouvert par les douanes, je suis baisé. Bon, c'est des problèmes de riches, hein, mais bon. Voilà, a priori, j'arrive à partir, c'est déjà pas mal. Porte d'embarquement numéro 7. Sécurité passée, j'ai le tampon sur le passeport, je suis officiellement sorti de l'Équateur. Et le terminal est vide, vide, vide. Il n'y a personne. Mais bon, a priori, ça marche. Donc ça veut bien dire que l'ambassade m'avait raconté des conneries sur le fait que j'avais pas de place sur ce vol. Et ça veut dire que les communications entre l'ambassade et KLM sont n'importe quoi, ce qu'on pressentait, mais ça se confirme. Et j'espère que du coup, ma place que j'ai sur le vol de mercredi prochain, qui elle aussi est confirmée, elle pourra revenir à quelqu'un d'autre dans le besoin. Ben maintenant, c'est l'heure d'appeler l'ambassade pour leur expliquer tout ça. Toujours dans le terminal de l'aéroport de Guayaquil, qui s'est rempli un peu depuis. Plein de plutôt bonnes nouvelles.
Première bonne nouvelle, mon amie Cécilia, la franco-équatorienne, qui n'avait toujours pas de billet, qui avait aucun contact avec l'ambassade ni rien, a réussi à rentrer pour l'avion d'aujourd'hui, tout comme les 12 autres Français qui restaient encore dans notre hôtel. Donc là, a priori, de toutes les personnes que je connaissais à Guayaquil, qui n'avaient pas encore de solution, et ben, on sera tous sur le même vol. Autre bonne nouvelle, mon ami Karl qui est à Quito, enfin qui était à Quito, qui était aussi cyclo-voyageur et qui est censé prendre le même avion que nous, mais au départ de Quito, il a embarqué et leur avion a décollé. Troisième bonne nouvelle, l'avion vient d'atterrir ici, le KLM, depuis Quito, donc c'est bon, il a réussi à atterrir. Donc ça veut dire que cette fois-ci, il n'y a pas eu de voiture de flics qui ont bloqué le tarmac. Donc bon, ça commence à sentir bon. Il y a quand même encore quelques soucis qui traînent. Moi, ma carte de crédit est bloquée suite à toutes les dépenses que j'ai faites d'urgence tout dernièrement, entre les billets d'avion et les nuits d'hôtel. Là, je suis plus en mesure, avec ma carte de crédit à moi, d'acheter des billets d'avion pour rentrer d'Amsterdam jusqu'à Genève. Bon, et ben on est plein. On a deux vélos là, deux autres là, encore un ici, deux ici avec mon copain Karl. Mais il n'y a pas le mien pour l'instant. Bon, on est plein de cyclistes à rentrer. Du Sri Lanka, j'ai vu, du Chili, nous d'Équateur. On est plein a priori à avoir pris la même décision. Hein. Bon, j'ai déjà réussi à me trouver un billet d'avion demain matin à 6h30 au départ d'Amsterdam à direction de Zurich. C'était le premier vol disponible en direction de la Suisse. AJ, elle me sauve la vie hein, depuis une semaine, entre le soutien psychologique comme ma maman et puis le soutien technique, ça fait plaisir. Et heureusement que je peux compter sur les deux. J'ai pu m'acheter 2-3 trucs à bouffer, ma carte de crédit est bloquée mais j'ai quand même réussi à retirer quelques euros en cash. Et j'essaie de prendre un bain de soleil, mais le truc c'est qu'ici il fait plus de 30 degrés comme à Guayaquil, il en fait 6 et je me caille le cul. Je suis encore en short, j'ai juste un petit pull. Et tout le reste c'est dans les bagages, mais sauf que je peux pas les ouvrir puisque c'est en film plastique et si je l'ouvre je peux plus le refermer. Donc pour l'instant je prends le soleil tant qu'il est encore suffisamment chaud. Et puis dès qu'il commencera à cailler vraiment, je me mettrai à l'abri je sais pas trop où, à l'intérieur de l'aéroport, et j'essaierai d'y passer la nuit. Bon, j'ai réussi à trouver un petit endroit sympa. Je me suis foutu en fait à l'intérieur sur la terrasse d'un restaurant qui a fermé. Mais le truc c'est que j'ai vraiment pas le droit d'être là ici normalement. Il y a la barrière et tout. Et ça fait deux gardes qui viennent. Le premier, je lui ai expliqué, je lui ai dit bah écoutez, je suis venu ici parce qu'il y a une prise. Je sais que c'est interdit, mais comme je suis tout seul, je me suis dit que d'un point de vue contagion, c'était pas dangereux. Et je lui ai dit mais si vous voulez que je sors, je sors. Il m'a dit non, il n'y a pas de problème, je vous souhaite bon courage et puis courage jusqu'à demain. Donc ils sont vraiment cool. Et puis il y a un deuxième qui vient de passer qui m'a dit non, il n'y a vraiment pas de souci, vous pouvez rester là. Les gens sont vraiment super, super sympas et s'adaptent vraiment à la situation. C'est vraiment cool. Je crois que je vais pas dormir tout seul cette nuit. Malheureusement, l'équipe de garde de nuit est moins sympa que l'équipe de garde de jour. Et je me suis fait virer de mon super petit coin cosy là-haut avec ma petite souris. Et du coup, je me suis recroquevillé sous les escalators en fait. Ça, c'est les escalators. Et ici, ils ont mis des sièges massants, j'ai essayé de me poser dedans mais évidemment après 30 secondes sans avoir payé ça commence à piper, donc du coup je peux pas rester dedans. Donc voilà, je suis en train de m'installer mon petit lit. Je peux toujours pas prendre mon duvet et tout le bordel qui sont dans les sacs, donc j'espère que je vais pas trop me cailler le cul cette nuit. Et puis voilà. Et salut. Ouais, j'ai des têtes de con hein. Là on fait vraiment plus aucun effort de style, peut-être bien n'importe quoi. Bon, on est dimanche que dalle, on est mardi 24 mars et il est 2h du mat et j'arrive pas à dormir, il fait trop froid et puis je pense qu'il y a un peu de jet lag là-dedans, un peu de stress, tout ça. Bon, j'enchaîne du coup plus ou moins ma deuxième nuit à moitié blanche. Mon vol a l'air d'être maintenu pour l'instant, il devrait partir d'ici 5h. Et puis moi en 5h, je sais pas ce que je fous, là je me suis mis dans les sanitaires parce qu'il y a un radiateur juste là. Et donc ça fait du bien, et puis il y a aussi une prise électrique pour recharger, donc c'est plutôt pratique. Donc voilà, on va attendre 5h. Bon, ok,
un peu plus de 5 heures. Et c'est bon, j'ai pu déposer le vélo et les bagages en soute. Donc a priori c'est passé, on m'a déjà demandé la photocopie de mon permis de résident en Suisse. Jusque là ça a suffi, j'espère qu'arriver en Suisse ça suffira aussi pour passer la frontière. Chers visiteurs, nous vous prions de respecter la distance de 2 mètres. Les groupes de plus de 5 personnes sont interdits. Dès que vos passagers sont arrivés, nous vous prions de quitter l'arrivée de... Nous vous remercions pour votre compréhension. Bon, il n'y a même pas eu de contrôle de douane, donc la dernière étape difficile est passée. Elle n'a même pas existé en fait, je me suis même pas fait contrôler quoi que ce soit. Donc voilà, je suis en Suisse, j'ai envie de chialer, je dois vous avouer. C'est une grosse semaine qui vient de se passer, a priori maintenant il n'y a plus de problème, je peux arriver à Lausanne sans problème. Et ça veut dire que tout ça c'est fini. Et un peu dur, je vais aller chialer en dehors de la caméra.